Salut Totis, moi c'est Marie-Amélie, je suis technico-commerciale en production végétale. Suivez-moi. Totis est suivie Marie-Amélie, une technico-commerciale en production végétale en Mayenne. En contact quotidien avec les agriculteurs, elle les accompagne dans le suivi de leur culture, du semis à la récolte. Elle propose des produits et des services aux agriculteurs pour améliorer leur performance technico-économique. Il est 8h30 et on va préparer ensemble mes rendez-vous. Donc pour préparer mes rendez-vous, je regarde les cultures qui sont en place chez mes agriculteurs, donc s'ils ont du blé, de l'orge, du colza ou d'autres cultures. Et je prends aussi en compte leur historique, donc ce qu'ils ont pris l'année dernière chez nous comme produit ou comme variété. Et je regarde aussi si ce sont des exploitations avec des vaches. Tout à l'heure, nous irons voir Dan, un agriculteur, pour échanger avec lui sur les produits et les variétés qui lui correspondront pour l'année prochaine. J'ai pas vraiment de semaine type dans mon métier. J'alterne entre une partie bureau où je vais passer des commandes, où je vais préparer mes rendez-vous, où je vais prendre mes rendez-vous, et une partie plus en extérieur, en pleine nature, où je vais aller suivre mes cultures, donc vérifier que tout se passe bien dans le développement du blé ou du colza par exemple, et les suivre en termes de maladies aussi et de propreté sanitaire. Donc là on va aller voir la parcelle de maïs de Dan et on va se diriger grâce à l'application vers sa parcelle. Et donc là, je suis venue vérifier que tout allait bien juste avant la moisson dans la parcelle de blé et estimer à peu près la date de récolte pour pouvoir dire à Dan quand est-ce qu'il pourrait moissonner. Pour devenir technico-commercial en production végétale, on peut faire un BTS, une licence ou une école d'ingénieur, de préférence de formation agricole. En blé, on est à 21 hectares l'année prochaine. Ok, il y en a plus que l'année dernière, là, c'est top. Ouais. Tu voulais repartir à peu près sur les mêmes semences que l'année dernière ou tu... Ouais, il faut qu'on trouve un endroit pour mettre de l'améliorant, comme on a fait cette année. Ouais. Et puis, on a du blé meunier aussi cette année. C'est revalorisé et puis ça peut permettre de partir sur du blé qui va être amiable. Ce que j'aime dans mon métier de technico-commercial en production végétale, c'est d'être en contact avec les agriculteurs au quotidien et de pouvoir les aider et les aiguiller dans leurs pratiques. Ce que j'aime aussi, c'est l'autonomie de ce métier et le fait que c'est un métier en constante évolution par rapport aux pratiques agricoles. Voilà, vous avez vu à quoi ressemble mon quotidien. À bientôt sur Totis.